Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est le lundi 28 novembre. Il est midi 48, c'est ça Marion? Voilà, et donc aujourd'hui on fait un vlog assez sympa. On va vous montrer plein de colis que j'ai reçus. J'ai reçu une montagne de colis. Donc on va ouvrir tout ça, je suis avec Baby Mike qui va très très bien. Donc voilà, pourquoi je filme comme ça? Pourquoi ma soeur me filme comme ça? Parce que je voulais vous montrer ma petite tenue. Du coup, j'ai mis des bottes. Du coup, les amis, j'ai mis des bottes qui sont comme ceci. Je les trouve tellement, tellement jolies. Regardez comment elles sont. J'espère que vous les voyez bien. Marion, tu peux faire un petit zoom? On attend les pizzas, donc j'espère que le livreur ne va pas venir tout de suite. Oui, mes chéris. Coucou, baby. Voilà, donc j'ai mis ces bottes là. C'est bon, tu peux enlever le zoom. Enfin, tu fais comme tu veux. Et du coup, voilà, j'ai mis ça. Je trouve qu'elles sont vraiment très originales. Vous avez vu, il y a des beaux détails. Elles sont ouvertes devant, etc. T'as aimé enregistrer? Ouais, t'avais enregistré ou pas? J'ai enregistré. Pourquoi tu faisais tête? Ma soeur m'énerve. Pourquoi tu faisais tête de la Marion? Donc voilà, bref, j'ai mis un jean et j'ai mis un pull comme ça avec épaules dénudées. C'est vraiment la tendance du moment. J'aime trop ça, je trouve que c'est très joli. Et comme il fait froid, bah, un petit pull c'est toujours bien. Donc voilà le résultat les amis. Sur ce, on va ouvrir les colis tout de suite, tout de suite. Je vais faire un beau pull de Noël à ma soeur aussi. Elle va le porter très bientôt dans un vlog. On va vous montrer ça aussi. On va manger les pizzas et puis voilà. Je vous dis à tout de suite pour ce nouveau vlog. Let's go. Bon allez, c'est parti. On ouvre les colis les filles. Bon les amis, Marion, qu'est-ce qu'il y a? Bon les amis, on a tous ces colis là. Voilà, on a plein de colis. Regardez, il y en a énormément. Et du coup, on va les ouvrir. En ce moment, je reçois beaucoup de colis, comme je vous l'avais dit, parce que c'est les fêtes de Noël. Donc les marques m'envoient plein de... Ouais, les fêtes de Noël approchent. Oui, c'est ça Marion. Et du coup, bah voilà, on reçoit plein de colis. Du coup, on va vous montrer ce qu'on a reçu. Ici, c'est des bottes, bah c'est celles que j'ai moi. Et celles de ma soeur aussi. Marion, tu vas leur montrer? Voilà, elle va vous montrer les bottes qu'elle a choisies aussi, qui sont trop belles. Et franchement, si c'était ma pointure, je l'aurais piqué, mais c'est pas ma pointure. Donc c'est parti, ici j'ai 3 colis à vous présenter. 1, 2 et 3, qui sont très jolis. Ouais, je pense qu'ils sont très jolis. En fait, je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur exactement. Donc on va découvrir ça tout de suite. Let's go. Oh, mais il est trop beau. Mario, j'adore. C'est un baby mass, hein? Ouais. Il est trop chou. J'aime trop. Oh là là, j'aime trop. Ils sont chauds en plus. Il est trop mignon, j'aime trop les trucs comme ça. Oh, je trouve que c'est trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il est trop joli, il est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Comme je vous ai dit, il est un petit peu plus de midi. Donc Baby Mai est en train de manger. Qu'est-ce qu'elle mange, Marion? Un pot de purée carotte potiron. Oh, c'est trop chou! Bon appétit, Baby Mai! Bon, alors là, je suis très contente. Baby Mai a fini son petit pot, c'est trop mignon. Donc, alors, ce que je voulais vous dire très important, c'est que maintenant, j'ai décidé de me mettre à fond aussi sur Instagram. Alors, pour tout vous dire, moi, je connais Instagram depuis très longtemps. Mais le truc, c'est qu'après, ça m'avait un peu saoulée. Et du coup, je faisais plus trop de photos. Je postais juste les vignettes, les miniatures de mes vidéos et puis basta. J'aimais beaucoup ça pour l'univers du make-up, etc. Je postais beaucoup de make-up look et tout et tout, mais ça m'a saoulé donc j'avais arrêté. Mais là en ce moment c'est redevenu une passion pour moi. J'aime bien vous poster des revues beauté, donc c'est à dire sur les produits que je reçois, etc. Vous en parler, partager tout ça avec vous. Donc surtout n'hésitez pas à m'ajouter, c'est makeupchic119, bien sûr je vous le mettrai juste là. N'hésitez surtout pas à m'ajouter et voilà, pour partager tout ça, ce serait vraiment trop cool. N'hésitez pas à commenter aussi mes petits posts, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé les produits et tout. Ça me ferait tellement plaisir que vous me rejoigniez aussi là-dessus. On est déjà pas mal, je crois qu'on est combien, Marion? Je sais pas, un peu plus de 30 000 parce que j'avais reçu le cadre Octoly pour les 30 000. Donc merci à tous d'ailleurs, merci à tous ceux qui sont là avant et tous ceux qui étaient là avant, pardon, et tous ceux qui viendront après. Ça me fait tellement plaisir. Donc merci beaucoup. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre, ce serait vraiment trop cool. Donc voilà. Regardez. Oh là là, et chez moi aussi, là, je pense que j'en ai reçu plein. Marion, je crois que j'en ai encore plein à la maison. Le livreur, il va encore passer. Donc, on va vous montrer ça tout de suite. Non, mais regardez le swag de ma soeur. Elle a mis des petits chaussons. Je les aime trop. Ils sont trop coquins, j'adore. Donc, c'est parti. Les colis sont ici. Là, c'est le pull de Noël que je lui ai acheté. Il est trop beau. On en a acheté plein, mais vous les verrez dans les vidéos pendant les vlogmas. Oui, je vous ai pas dit, mais on va faire les vlogmas, bien sûr. Ça va être trop cool. Donc, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Alors, tu es en train d'ouvrir le premier colis. Voyons voir qu'est-ce que ça peut bien être. T'as une idée, Marion, de ce que ça peut être?
Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là! J'ai trop hâte de savoir, je suis trop pressée. C'est quoi? RGB Rich Gone Broke. Waouh! J'aime trop le packaging. Mets-toi ici, Marion, comme ça on va bien le voir. Merci. Vas-y, ouvre. Merci, Marion. Oh, ça y est, elle a réussi à l'ouvrir. Alors, voyons voir ce que c'est. C'est bien emballé. Ouais, c'est super bien emballé. C'est trop mignon. C'est super mignon. Voilà, donc c'est ça la marque Rich Gone Broke. Ok. Et qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop cute. T'as dit quoi? Elle est magnifique. Elle est trop belle. Oula. Fail. Ouais, elle est trop belle. Attendez, on va la remettre. Oh là là, elle est trop belle. Elle est super, super jolie. Oh, regardez, hein, c'est trop joli. Attends, je vais voir comme ça. Donc, c'est une montre Rich Gone Broke et elle est super, super belle. Je vous donnerai le code promo. Je vous le mettrai aussi juste en bas. Comme ça, vous allez voir, vous allez avoir une belle réduction. C'est trop cool, mais franchement, elle est trop belle, quoi. Oh, j'adore. Elle est magnifique. Waouh, les amis, regardez comment elle est super jolie. En fait, vous avez un beau tissu comme ça. Et j'ai beaucoup aimé le cadran. Il est très classe, quoi. C'est trop joli. Donc vous avez moins 20% avec le code GEN20. Et ça vous permet d'avoir une bonne réduction. Franchement, elles sont très à la mode, elles sont très tendances. Et elle est trop belle. Tu la trouves comment, Marion? Elle est belle. Elle est belle, hein. Waouh. Donc là, on va continuer avec la suite. Oups. Alors, c'est parti. Vas-y, Marion, tu nous montres quoi maintenant? Tu ouvres ce colis-là? C'est parti. Donc j'ai trop hâte de savoir. On va voir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voyons voir ça. À ton avis, c'est quoi, Marion? Oh, il y a une petite carte, là. C'est quoi? Elisabeth Arden. Oh, trop cute! Oh, waouh! Oh là là, un parfum! Je suis trop contente! Always Red. On va l'ouvrir, celui-ci. Et puis, il y a quoi d'autre? Regardez tout ce qu'on a. C'est trop mignon, quoi. C'est trop beau. Oh là là, attends, montre-nous le coffret d'abord. Il est trop bien fait. Waouh, Elisabeth Arden, c'est trop mignon. New York, trop chou. Il y a Baby Mike en train de s'amuser, la petite choupette. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a? Voyons voir ça. Ouais, les deux, c'est trop beau. T'aimes bien les packaging? Ils sont trop jolis. On va l'ouvrir, t'inquiète pas, on va voir ce que ça sent. Et là, tadam! Waouh, plein de... C'est quoi? Du make-up? Waouh, illuminateur de teint intense. Oh là là, c'est trop bien présenté. C'est vraiment hyper adorable. Oh, c'est trop joli. Donc Elisabeth, tu veux voir? Elisabeth Arden, c'est une marque que je connaissais pas du tout. Et là, je vais pouvoir la découvrir. C'est trop cool. C'est quoi ça, Marion? Donc il y a un rouge à lèvres liquide intense. Ouais, oh trop cool. Ce sont que des rouges à lèvres peut-être. Comme je vois des bisous partout. Les packaging ils sont vraiment trop jolis. Il y a un eyeliner. Oh, c'est pas vrai? Liquide. Oh, trop cool. Je suis trop contente. Oh là là, il y a quoi d'autre? Aussi d'un rouge à lèvres. Ouais. Et là? Et encore un eyeliner. Oh, trop cool. Donc voilà, on a eu plein de nouveautés. Franchement, merci beaucoup. C'est trop cool. Ah, attends, il reste ça. Attends. Après, je vais leur montrer bien en détail. Mais... Oh, vous avez vu tous les colis. Donc là, il reste un dernier colis que ma soeur va ouvrir. Donc c'est une enveloppe qui est comme ceci. Voilà, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti, on va voir le dernier colis. Et puis après, je vous montrerai bien en détail tous ces petits produits-là. Oh là là, le parfum, je vais le sentir. On va le sentir, on va voir ce que ça sent. Le make-up, ça, on dépose. Télélé, regardez le petit bordel de colis derrière. Oh là là. Donc là, je vais voir à l'intérieur ce qu'il y a. C'est parti, on va voir ce que c'est. Donc, je me demande bien ce qu'il y a. Oh, un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres mag, regardez. Trop mignon. Donc les amis, on va voir à quoi il ressemble ce joli rouge à lèvres parce que je sais plus c'est quelle teinte. Donc c'est la teinte Toasted Butter. Voilà, ça s'écrit comme ça. Ouh, je sais pas trop si vous allez voir. Voilà, Toasted Butter et on va l'ouvrir. Marion, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des rouges à lèvres MAC. En fait, j'en ai plein. Oh, il est trop bien. Marion, regarde le packaging. Regarde, il est beau, hein. J'aime trop, il est trop beau. Ça change grave, hein. Il est trop beau. Donc voilà, il se présente comme ceci. Je vais essayer de l'ouvrir. Télé ! Donc voyons voir comment il est. J'essaye de vous l'ouvrir d'une main. Oh ! Oh ! Oh my god ! Regardez comment il est très beau. Je pose le joli bouchon. Regardez comment il est super, super beau. Marion, regarde. Wow. Ma soeur, wow. Il est trop joli, non ? Il est incroyable.
J'aime trop, donc c'est un nude. Je vais vous le swatcher aussi. Ah, tu veux me le piquer? Elle veut me le piquer, ça y est, recommence. Il est trop joli, regardez. Oh là là, donc ça c'est la collection MAC Lipton City. Je crois que c'est bien ça le nom. Et franchement, j'aime trop 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 le packaging. La teinte, elle a l'air sublimissime, la texture aussi. Donc voilà, je suis très contente. Donc on va ouvrir un petit peu tous les... Enfin, je vais vous montrer un petit peu tous les colis un peu plus en détail. Je vais sentir le parfum, voir un petit peu les rouges à lèvres Elisabeth Arden, etc. Et donc voilà, c'est parti. Alors les amis, voyons voir ce que j'ai reçu, je vous montre ça tout de suite, j'ai tout bien disposé pour que ça soit plus simple pour vous. Donc voilà les merveilleux produits que j'ai reçus qui sont juste trop jolis. Donc on va commencer par la collection Elisabeth Arden parce qu'ils m'ont envoyé vraiment un très gros colis avec plein de belles choses à l'intérieur. Ensuite je vous montrerai bien sûr le petit rouge à lèvres MAC qui est juste ici. Voilà en détail, et puis bien sûr la montre Rich Gone Broke qui est vraiment très très belle aussi. Donc c'est parti, je vous dis comment s'appelle la collection. Waouh, oh my god, c'est pas trop trop joli franchement. Donc cette collection s'appelle Liquid Assets, et donc c'est un kit de 6 produits comme vous le voyez. Alors je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour commencer juste ici au niveau des rouges à lèvres, vous avez 3 Beautiful Color rouges à lèvres liquides intenses dans les teintes Luscious Raspberry, Pearless Red et Daring Beige. Voilà, il y a du beige, du rouge et un petit peu un orangé, enfin des couleurs vraiment très belles. Vous avez une texture crémeuse apparemment et donc une bonne couvrance et une intensité d'un rouge à lèvres avec un fini d'un gloss. Ça a l'air trop joli. Voilà, ensuite, juste ici nous avons des eyeliners en fait. Donc voilà, ce sont des Beautiful Color Eyeliner liquide définition intense 24h dans les teintes Dark Valentine et Electric Blue. Donc il y a un eyeliner bleu, c'est trop fun. Franchement les packagings font rêver, ils sont vraiment très très jolis. Et pour terminer nous avons un illuminateur en fait. Donc c'est le Beautiful Color, voilà, Beautiful Color illuminateur de teint intense qui a l'air très joli aussi, ça rafraîchit la peau. Vous avez une formule liquide luxueuse et franchement trop jolie quoi, j'aime trop les illuminateurs. Donc on va voir ça de plus près. Et cette fois-ci mes amours, on passe au rouge à lèvres magnifique de chez MAC. Bien sûr le packaging est vraiment à tomber. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est le rouge à lèvres Lipton City. Il est très 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 pigmenté, vous voyez il est hyper pigmenté. Chaque rouge à lèvres contient le double de pigments habituels, ce qui leur donne une couleur encore plus intense que jamais, et ça c'est vraiment trop canon. Et la formule gel fond sur les lèvres dès l'application pour donner en un seul passage une couleur très saturée au fini satiné. Donc voilà ce que je peux vous dire à propos de ce rouge à lèvres qui a l'air vraiment très joli. Et donc pour finir mes amours, tada, donc le merveilleux packaging avec la jolie montre. Donc cette montre là c'est la montre Rich Gone Broke, comme je vous l'ai dit. Vous avez le code GEN20 pour avoir moins 20% sur tout le site. C'est vraiment trop trop cool, franchement craquez, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment trop belle. Vous voyez les détails, elle est super super jolie. Je vous la montrerai aussi portée bien sûr, comme ça vous allez voir. Et puis je vais la mettre assez souvent dans les vidéos parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc voilà, avec GEN20 vous avez moins 20%. C'est vraiment un cadeau parfait je trouve, parce que ça peut faire plaisir à tout le monde en fait, mais à toutes les femmes aussi. Et donc franchement n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très joli. Je le trouve très classe, très girly, très féminin, super super joli. Il y a aussi des modèles pour hommes il me semble bien, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site et à utiliser mon code promo. Ah oui, et dernier petit détail, donc pour la montre la livraison est gratuite, donc c'est super super intéressant. Franchement elle est juste magnifique, donc n'hésitez pas à craquer pour les fêtes. Oh my gosh, vous voyez mes petits pieds. Donc c'est trop joli franchement, tout ce que j'ai reçu c'est magnifique. Regardez, là j'ai envie de tester le fameux parfum qui a l'air très joli. Regardez le packaging, il est vraiment trop trop beau. Et c'est le Always Red de chez Elisabeth Arden du coup. Donc on va ouvrir tout ça. Alors voyons voir comment est le flacon. Oh, waouh, il est trop beau, il est trop joli, regardez. Oh, magnifique, Marion regarde. Always Red, oh il est trop beau. Voilà, ça c'est le devant, regardez comment c'est trop joli, t'as vu. Il est beau hein. Il est trop beau, c'est clair. Oh là là, il est magnifique. Donc je vais voir ce que ça sent. Alors je l'ouvre, le packaging il est vraiment à tomber hein. C'est très chic, j'aime beaucoup leur couleur rouge comme ça et noir, c'est très joli. Donc je vais voir un petit peu ce que ça sent. Je vais en mettre sur bah tiens, sur le flacon. Voilà, sur le packaging pardon. Et on va voir. Ça sent très 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 bon. Ah, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ah, j'aime trop 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 l'odeur. J'ai envie de vous la faire sentir. À chaque fois je veux vous la faire sentir, mais on peut pas. Tais-toi. T'as pas senti? T'as fait titi. Ouais. Ça sent grave bon. J'avais même pas compris. Ça sent super super bon. Tu sens là? Donc ouais, en plus il sent fort, donc c'est à dire que ça sent, ça tient quoi ça.
Mmh, oh, ça sent trop bon. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a. Je peux pas décrire les parfums, donc je vais vous lire clairement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, il sent vachement bon. Et j'ai beaucoup aimé le packaging. Regardez, il est vachement, vachement joli. Il est très, très classe. Je vais mettre le bouchon, comme ça vous allez bien voir. Mais j'aime trop. Il est trop joli. Tididi. Voilà, ça se présente comme ceci. Il est super, super joli. Vous voyez, franchement, j'adore. Il est trop bien. Donc voilà. God, mais il est où le livreur? C'est pas bien fermé. Il est où? Il arrive pas à trouver la maison de ma soeur en fait. Et du coup le livreur. Donc voilà. Et nous on a trop faim. T'as faim? Trop froid. Ah ouais, il est trop froid. Il fait trop froid dehors. Du coup elle veut sortir, la pauvre. Ma chérie s'est ouvert la porte encore. Regarde. Bref, je vais vous dire ce qu'il y a dans ce parfum. Ce magnifique parfum. Alors je vais vous lire tout ça parce que franchement moi je m'y connais pas du tout. Je le mets là en présentation. Hashtag je suis une youtubeuse. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Et du coup alors je prends mon iPhone. Et donc c'est le parfum Always Red Haute Toilette. Voilà, et du coup qu'est-ce qu'ils ont écrit? Donc c'est un parfum oriental fleuri somptueux. Voilà, et donc vous avez une association irrésistible d'oranges sanguines puissantes, de prunes rouges gourmandes et de fruits de la passion. Oh, j'adore, Marion a des fruits de la passion. Ça sent un fruit de la passion. J'aime trop cette senteur. Et pour les notes de tête, vous avez de la prune rouge pour celles que ça intéresse. Prune rouge, orange sanguine, fruit de la passion. Le livreur est perdu. Okay. Il trouve pas la maison de ma soeur, c'est un truc de dingue. La pauvre, elle a oublié de sortir, il fait hyper hyper froid. Donc au niveau des notes de cœur, on reprend. Nous avons du jasmin sans bac, pétale de rose et frisia rose. Et notes de fond, nous avons du bois d'acajou, ambre rouge et... praline. Donc voilà, vous pouvez retrouver ce parfum là aux galeries Passy Plaza, voilà, et en exclusivité sur le site de Nocibé que je vous mettrai en barre d'infos. Je mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà mes amours, c'est un parfum qui sent divinement bon. C'est une très belle idée de cadeau pour les fêtes aussi. Franchement, si vous voulez faire plaisir à votre maman, à votre chérie, s'il y a des garçons qui me regardent, comme je sais qu'il y a des garçons qui me regardent, j'ai vu ça dans les analytics YouTube. Bref, en tout cas voilà, vous pouvez faire plaisir à tout le monde avec ça, à votre soeur, à votre tante, ça fera hyper hyper plaisir. Ils sont vraiment très très bons. Je suis très contente de pouvoir le découvrir avec bien sûr les produits de make-up que nous voyons là, voilà, qui sont vraiment trop top. Donc voilà, voilà. Oh my god, les pizzas sont arrivées. Donc regardez, hop, Pizza Hut, on a pris bien sûr, et là on va les mettre sur la table, on va bien manger. Donc moi j'ai pris une pizza au merguez. Mais il y a quoi dedans? Je sais pas du tout, mais ça a l'air très bon et ça sent vachement vachement bon. Il y a du fromage, enfin ça sent hyper hyper bon. Et ensuite les amis, voici celle de ma soeur. T'as pris quoi, Marion? Végétarienne, voilà, ça a l'air hyper bon. Merci Pizza Hut. Bon appétit. On revient de Monoprix les amis, on a bien mangé. Et là ma soeur a fait une petite séance photo. Donc je vous mettrai tout ça sur Instagram, quelques photos. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Ah mais c'est vrai, en plus j'ai jamais fait ça à Marie avant. Non. Ouais, je mettais pas trop de photos, donc là j'ai décidé d'en faire plein, de vous mettre plein de posts, de mes tenues, de make-up, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle me prend plusieurs poses, etc. Et puis voilà. Donc mes amours, je voulais vous montrer la magnifique montre. Là vous la voyez super bien à la lumière du jour. Regardez comment elle est trop jolie. Voilà, je pense que vous voyez très bien les détails. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez moins 20% avec le code GEN20 sur tout le site. La livraison elle est gratuite et ça fait une très belle idée de cadeau de Noël. Regardez, au niveau du tissu c'est trop joli. Voilà, et bien sûr au niveau du cadran c'est juste magnifique, il est doré. J'aime beaucoup comment c'est écrit aussi, c'est super joli. Donc voilà, n'hésitez pas à la commander, c'est une pure tuerie. Voilà, et je vous la montre de plus près aussi, je pense que vous allez bien voir, elle est vraiment trop trop belle, je l'adore. J'aime trop. Waouh. Alors les amis, ma soeur elle a essayé son pull, il lui va trop trop bien. Franchement j'adore, je trouve que ça fait très joli. Regardez les motifs de Noël. Et donc on en a pris plusieurs comme ça. Et c'est grâce à elle que j'ai su... Tourne-toi s'il te plaît Marion. Regardez comment c'est trop joli. Oh là là, j'adore, je trouve que c'est trop joli. Merci. Tada. Donc c'est parti mes amours, je vais vous montrer un petit peu les swatchs. Donc on commence bien sûr par les Elisabeth Arden, voilà. Donc c'est comme ceci et ça se présente comme ceci quand on ouvre. Regardez comment c'est trop innovant, c'est très 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 joli. Franchement j'aime trop, je trouve que ça change en fait, c'est vraiment classe. Et donc alors on va voir un petit peu. Marion regarde comment c'est. C'est magnifique, t'as vu, c'est trop joli. Donc par contre je sais pas comment ça sort, on va essayer voir, je connais pas du tout. Ah ça y est j'ai réussi, regardez en fait il faut appuyer là comme ça. Hop là et le produit sort, donc là je vais vous faire le swatch. C'est parti. Oh là là, c'est trop joli. Oh, wow, Marion, regarde. C'est trop joli. Oh, magnifique, regardez. Trop joli. Donc là, c'est la teinte Lucius Raspberry. Voilà, que je vous avais dit. Elle est vraiment trop belle. Oh,
J'aime trop, je trouve que c'est très joli. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec une autre couleur. J'ai très envie de tester le nude, je vous avoue. Voilà, donc là, c'est le Daring Beige, voilà, 02, qui est comme ceci. Déjà, j'aperçois le petit marron, la nude, qui a l'air trop jolie. Donc, on ouvre, en fait, et ça se présente comme ça. Et on fait comme ceci, tac, 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 plusieurs fois. Et vous allez voir apparaître le produit. Il y a Baby Mai qui vient vers moi pour faire la revue avec moi. Elle est trop mignonne. Donc, vous voyez, le produit commence à sortir et on fait comme ceci. Voilà, ah, la couleur elle est trop belle. Oh, j'aime trop ce style de nude. Je vais en remettre parce que je sais pas si vous allez voir. Voilà, hop, à la caméra. Faut toujours en mettre un petit peu plus. Donc voilà, c'est très joli, c'est super bien pigmenté. C'est magnifique quoi, ça c'est un nude parfait. J'aime trop trop trop. Ensuite on enchaîne avec le rouge du coup. Donc là c'est le Furless Red, voilà, 07. Et donc on fait sortir le produit. Maintenant c'est bon, j'ai le mouvement, c'est cool. Voilà, et là on a le produit qui sort et je le mets juste là. Trop joli, très joli rouge, très pigmenté. Et c'est très bien parce qu'on peut bien estomper. J'aime beaucoup beaucoup l'applicateur. Là c'est vraiment très classe et très innovant parce qu'on peut bien estomper et répartir la matière sur les lèvres. Et doser surtout aussi si vous voulez en mettre beaucoup pour que ça soit extrêmement pigmenté ou un petit peu moins. Pour un effet plus discret, c'est vraiment top. Ensuite j'ai deux liners, donc le noir. Je pense que c'est celui-ci, voilà, Dark Valentine. J'aime bien les noms aussi, ils sont vraiment très très classe. Je ne connaissais pas cette marque et je suis très contente de la découvrir. Donc je vous le fais ici, le swatch. Voilà, un très bel eyeliner noir avec une mine vraiment très précise et facile à travailler. Pour faire des beaux traits de liner, c'est vraiment cool. Ensuite, juste ici, nous avons le bleu du coup, qui s'appelle... Comment tu t'appelles, toi? Electric Blue, voilà. Et j'adore le bleu électrique, moi je trouve ça très fun pour faire des make-up sophistiqués. Regardez comment c'est trop joli, magnifique bleu, très 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 joli. Voilà, et vous avez la teinte juste ici, bleu électrique. Voilà, et pour terminer, donc on a 6 produits, c'est vraiment super intéressant, c'est une très très belle idée de cadeau pour les fêtes honnêtement. Parce que là si vous voulez, vous avez vraiment tout, donc vous avez de tout tout simplement. Donc là nous avons le, comment tu t'appelles, le Golden Kiss, voilà, de Elisabeth Arden. Donc c'est un illuminateur de teint intense. Voilà, et donc c'est, je vous l'ouvre, franchement déjà le packaging mention spéciale quoi. C'est trop classe, très 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 joli, vous avez vu. Et là comme ça, c'est trop trop beau. Déjà j'aperçois l'illuminateur, il a l'air trop beau. Donc j'ouvre ça pour vous mes amours. Voilà, et donc là hop, je crois qu'il faut ouvrir ici. Regardez comment c'est, oh là là, j'aime trop, j'adore, c'est trop joli. Voilà, et je vais en mettre un petit peu, hein. Hop, ça a l'air très 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 pigmenté. Donc je vais en prendre ici tout simplement, je vais en prélever ici. Et je le mets juste là, oh c'est trop beau, oh, regardez. Très joli, oh j'adore, la couleur elle est trop belle. Donc ça c'est très bien pour illuminer nos pommettes, apporter vraiment beaucoup de lumière sur notre visage. Surtout qu'on a le teint pâle en ce moment, donc là c'est très bien. C'est canonissime, il est vraiment trop joli, j'en suis carrément dingue. Voilà, un beau coup de cœur, franchement beaucoup de cœur pour ces produits-là que je connaissais absolument pas. Je suis très contente de pouvoir les découvrir, donc voilà. Et pour finir en beauté, on passe bien sûr à chez MAC cette fois-ci, donc avec leur tout nouveau rouge à lèvres Lipton City. Donc ce sont des rouges à lèvres apparemment très pigmentés. J'ai pris un très joli nude qui s'appelle Toast and Butter, voilà, au niveau de la teinte. Donc le packaging est vraiment très 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 joli, franchement énorme coup de cœur, il est vraiment sublimissime. Je suis très contente de voir des packagings comme ça chez MAC. Donc voilà, et donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Le nude a l'air vraiment magnifique, j'adore les nudes, vous savez, je suis une fan de nudes. Donc je vous fais le swatch ici, et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, regardez. Voilà, c'est très joli, oh c'est magnifique, il est trop beau. Waouh, je vais le porter dans les prochaines vidéos, comme ça je vous le montrerai porté, mais il a l'air vraiment très 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 joli. Donc voilà pour les swatchs mes amours. Ah oui, et du coup j'en profite pour vous montrer les magnifiques swatchs. Regardez comment c'est trop joli, ça ressort hyper bien. Le rouge à lèvres MAC qui est juste ici, les rouges à lèvres Elisabeth Arden et les highlighters. Voilà, l'highlighter pardon qui est juste là, et enfin les eyeliners, c'est trop joli. Et voici mes chaussures, je vous les montre comme ça, je pense que vous allez bien les voir. Voilà. Ta-da-da.
Alors là, même chez ma sœur, je vous fais des belles photos pour Snapchat et pour Instagram pour vous montrer un petit peu toutes les nouveautés, vous donner les codes promo, etc. Donc surtout, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, c'est MakeupShift119 aussi, mes amours. Donc voilà pour les swatchs, mes amours. Franchement, belle découverte, gros coup de cœur. Franchement, des très très belles découvertes. Et j'ai très hâte de faire des make-up avec, de vous montrer un petit peu comment les utiliser, etc. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la marque Elisabeth Arden. Comme je vous l'ai dit, je suis très 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 contente de la découvrir parce qu'elle est juste oufissime. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Également pour MAC. MAC, c'est la marque qui m'a fait découvrir le make-up. Avoir une grande passion pour le make-up et puis ouvrir ma chaîne make-up aussi. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'espère que ça vous a plu. Et puis pour la montre, n'oubliez pas mon code promo GEN20 pour avoir moins 20%. Comme je vous ai dit, il y a des modèles vraiment magnifiques. Donc surtout, n'hésitez pas à craquer. Ouh, regardez mes chaussures. J'adore, je trouve que ça fait un très beau style. Franchement, j'aime trop, trop, trop. Regardez comment elles sont trop belles. Mais j'aime trop, moi, j'adore ce style de chaussures. En fait, c'est ma soeur qui m'a donné l'idée de mettre des cuissardes et je trouve que c'est trop beau. Voilà. Ah, elles sont endormies. Elle est trop chou. Donc, je vais parler doucement. Pas très fort, donc comme je vous l'ai dit, je vais faire les vlogmas très bientôt. Alors par contre, je vais pas le faire tout le temps, tous les jours, etc. parce que j'ai vraiment envie de vous faire des facecam aussi, donc c'est-à-dire des vidéos où je le fais dans ma pièce, entre guillemets, pièce YouTube, là où je filme mes vidéos habituellement à la maison, chez moi. Du coup, j'alternerai un petit peu, mais il y aura beaucoup, beaucoup de vlogs, puisque je sais que ça vous plaît. Je vois un reflet là, mais il y en a pas, c'est moi qui rêve. Donc voilà. Et alors, quoi? Qui? Ma soeur, elle me fait trop rigoler. C'est Sarah. Qui? Sarah de Secret Story 10. C'est qui? Je connais pas, je regarde. Et mais vous pensez qu'elle me ressemble? Bon, ma soeur dit que je ressemble à une fille qui s'appelle Sarah de Secret Story 10, mais comme je regarde pas du tout Secret Story, je sais pas qui c'est. Donc elle a dit de liker la vidéo si vous pensez qu'elle a raison, je sais pas du tout. Je sais pas qui c'est. Enfin, le style. Dans le style, je sais pas du tout. Bref, voilà, je suis habillée comme ça, rien de spécial. J'ai trop aimé les cuissards, là je suis sortie tout à l'heure, il faisait trop froid, c'est un truc de fou. Donc voilà, je sais même plus ce que je vous disais, mais bon, en tout cas je vous aime très très fort. Je voulais vous remercier d'être toujours là, apprécier mes vidéos, toujours à me soutenir, etc. Je reçois des messages sur Snapchat, c'est genre trop 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 mignon. Et il y en a de plus en plus qui me demandent de faire des meet-up. Donc bah peut-être que ça arrive bientôt, mais en tout cas là pour l'instant, nous sommes dans la magie de Noël. Et ce qui va être cool surtout, c'est de partager avec vous plein 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 de bons moments de Noël. J'ai trop hâte, franchement les amis, je suis trop pressée. On doit acheter notre sapin très bientôt aussi, il faut qu'on fasse ça rapidement. Je vous partagerai tout ça bah, bien sûr dans les vlogs, sur Instagram, sur Snapchat. Et c'est juste trop 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 cool, je suis vraiment trop 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 contente. Donc voilà, sur ce je vais clôturer ce vlog là, je vais prendre la route pour rentrer chez moi quand même. J'espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage quand même, on espère, on croise les doigts. Voilà voilà, regardez au fait ici comment c'est trop beau, j'ai trop aimé. Je trouve que c'est trop joli. Hello! Donc ça y est les amis, là il est 20h59, 21h on va dire ça comme ça. Et donc là je vais rentrer chez moi. Malheureusement on n'a pas pu faire le mannequin challenge aujourd'hui parce qu'on s'est beaucoup reposé. On a fait une journée un petit peu cocooning, vous voyez, entre nous. Et puis Babyma elle était un petit peu fatiguée, donc on l'a laissé se reposer tranquillement. On vous remet ça à quand, Marion? On fera ça pendant les vlogmas et certainement pendant l'anniversaire de Baby Mai. C'est ma soeur qui m'a donné l'idée. Donc voilà, en tout cas on a passé une très très bonne journée. C'était vraiment trop cool. Je suis désolée, je vous ai pas montré Baby Mai et ma soeur parce que je sais pas, c'était un petit peu fatiguée. Mais pourquoi je voulais pas être dans les vlogs aujourd'hui? Hein? En fait c'est pas qu'elle voulait pas, c'est qu'elle travaillait en même temps. Et du coup bah je l'ai laissée un petit peu tranquille. Mais moi ça m'a fait très plaisir de vous retrouver mes amours. J'ai mis ma montre Rich Gone. Je suis sortie pas mal pour faire des photos pour Instagram. Voilà, je vous ai mis une belle photo de ça. N'hésitez pas à aller la voir. Et puis voilà. Sur ce, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bref, sur ce mes amours, je rentre à la maison. Je clôture ce vlog maintenant bien sûr. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Bye. Je voulais en acheter et puis finalement elle m'a dit attends j'en ai, donc je me suis dit pour la vidéo on va tester. Donc les amis, je laisse reposer 10 minutes et je vous retrouve tout à l'heure pour le verdict. Et voilà le retour.